Qu'est-ce qui t'a amené là? Salut, toi. En fait, il avait fermé le département des sports de Radio-Canada à l'époque. OK, t'as perdu ta job à Radio-Canada. Ouais, puis là, j'ai postulé à 110%. Ils m'ont pas pris. Donc, je me suis ramassée à TVA. Et ils m'ont pas pris non plus. Sauf que la personne qui devait faire les sports a démissionné 2 semaines avant le début de la saison. Et c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. Je me ramasse tout le temps. Deuxième choix, mais c'est pas grave. Et j'en ai fait des années extraordinaires. C'est fou, hein? Comme, oui. Puis c'est, salut, bonjour, c'était une vie... Une vie de nuit. Oui. Toi, avec les games qui sont le soir, t'étais un peu comme les filles du culturel. Tu devais jamais dormir. Mais je regardais pas. Ça, c'est le secret que je dis maintenant. Mais non, ma vie, c'était une vie de fait saillant. Fait que, tu sais, c'est rare que je me tape l'intégrale. De toute manière, dans le sport, si tu regardes un match, tu regardes pas les autres. Oui, fait que je me disais, je vais être égalitaire, je regarderai rien, je vais aller me coucher. Cette semaine, dans le lundi, j'ai jamais regardé une game. Non, mais je regardais les games le week-end, je me tenais au courant. Mais tu sais, moi, j'avais fait le choix de la santé, si on veut, là, plutôt que de la surperformance.